Une équipe, ce sont des hommes. L'histoire est faite de mots. Ce que disent les mots change au fil du temps et au gré de l'histoire. On ne peut donc accorder confiance à ce que les mots font de notre monde qu'à deux conditions. La première est le souvenir de l'horreur que construisent les mots quand, plutôt que de nous aider à produire l'expérience du monde, ils nous servent à signaler ce que nous voulons du réel. Ils font alors un semblant d'histoire de laquelle le monde lui-même est exclu. Plusieurs personnes se présentent au poste de garde de la nouvelle préfecture des Hauts-de-Seine, à Nanterre, le samedi 24 octobre 1970 vers 10h30. Il y a le feu au bidonville voisin. Police secours et les pompiers interviennent rapidement, mais il n'existe aucune prise d'eau à proximité. L'histoire. Au bout d'une demi-heure, le sinistre est circonscrit. Deux baraquements sont à demi détruits. Un autre l'est entièrement. Dans ces décombres, on trouve le corps d'un enfant, Ahmed Béchard, 6 mois. Les images de leur propre. Puis c'est le scénario classique. Et l'intrusion des journalistes et des photographes qui feront connaître une fois de plus la petite maison où se fait le commerce de la prostitution. C'est là l'espace où sont protégés les échanges libres entre individus. Mais il ne faut pas croire que la petite maison de prostitution est moins hospitalière aux institutions. Monsieur Ali Béchard, originaire d'Isserville, les images peuvent signaler, prouver ou faire éprouver, mais elles ne sont pas plus dignes de confiance que les mots, puisque, comme eux, elles ne montrent pas. C'est à nous de montrer comme c'est à nous de dire. Les divers bidonvilles de Nanterre, où ce qu'il en reste, abritent encore 600 familles. Mais, dans une équipe, il faut aussi un homme derrière l'homme. Les immigrés travaillent chez Simca et dans plusieurs autres entreprises importantes, une papeterie, une fonderie de précision. La deuxième condition à notre usage des mots est notre capacité à en voir l'histoire. Le risque sera donc pour les machines, institutions, qu'elles y sentent la possibilité d'être à l'égal des humains individus, donc comme humains individus. Et ceux-ci, à leur tour, ne peuvent se considérer eux-mêmes institutions, mais cohabitent et commercent avec les exemples individuels d'institutions. Et risqueront encore bien plus. Ils sont en effet devant de nouveaux modèles d'individus qui sont les institutions assimilées à eux. Dans l'enclos de la prostitution, leur être est commun, mais leur essence dans l'enclos et en dehors est différente. Le risque pour l'individu est celui-ci. Se conformer au modèle institutionnel, par là se dénaturer au point que la norme de l'être semble celle du vendre.